11 novembre 1918, au son des cloches, s'ajoute celui des clairons qui sonne le cessez-le-feu. Enfin, après quatre interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Toutes ces générations venues du monde entier, qu'elles fussent européennes, africaines, américaines, asiatiques, océaniennes, se sont battues pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Voici Michael Dillon, que le hasard a mis sur notre route il y a plusieurs années. Les archives de son grand-père qu'il nous a données nous a permis de réaliser l'exposition que nous présentons à la médiathèque. First, I want to express my gratitude to Bernadette and Gilbert Prado, my hosts during my time here in Chapinon. novembre 2018, 100 ans, un siècle. Alors, en ce jour de 11 novembre, une nouvelle fois, il paraît opportun de rappeler combien nous avons besoin d'une Europe forte, unie, déterminée, pour faire face aux enjeux du nouveau monde et de l'évolution de nos sociétés. Plus que jamais, tel le symbole de ces jeunes Français et Allemands réunis ici aujourd'hui, nous avons besoin en France, en Europe, de marcher ensemble, main dans la main, pour poursuivre la construction d'une Europe forte qui sache où elle va et qui s'impose sur l'échiquier politique mondial. Chère petite Alice, nous sommes de nouveau en réserve pour 4 jours au village des Brebis. Le service tel qu'il est organisé maintenant est moins fatigant. Tulle, le 18 septembre 1914. Bien chère Sylvanie, je ne peux pas m'empêcher de te dire que je suis dans une très mauvaise position. Je souffre le martyr. Léon Hugo a été blessé le 9 septembre 1914 par un éclat d'obus pendant la première bataille de la Marne. Puis, il fut envoyé à l'hôpital de Tulle, où il mourut du tétanos. Ça fait chaud au cœur d'entourer tous ces jeunes qui sont là, allemands et français. Le symbole était fort et je crois que cette cérémonie en méritait cette participation citoyenne importante. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre présence nombreuse sur la place devant ce monument aux morts ce matin. Nous chantons.